Mesdames et messieurs, écoutez-moi, nous aurons le plaisir de voir un nouveau couple se former en cette belle soirée. Monsieur Pawan et Tanvi. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec mon fils ? Aujourd'hui, tu vas te fiancer avec Pawan. Et en même temps, tu continues à t'accrocher à mon fils Rishi ? Est-ce que tu n'as pas honte de toi ? Maman, ce n'est pas bon signe. Arrête ce délire. Tes oreilles ne marchent plus, on dirait. Tu dis n'importe quoi. Tais-toi un peu. Maman, règle plutôt mon problème. Je veux être avec Tanvi. Hé, viens un peu par là. Est-ce que t'as vu ça ? Je te regarde depuis ton enfance, ma petite Rano. Mais pas moi. Je te parle de Rishi et de Tanvi, voyons. Elle n'arrive toujours pas à oublier cette histoire. Écoute. Je t'ai dit que je suis sûre qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux-là, oui. Vraiment ? Oui. Est-ce que tu les as vus ensemble, oui ? Est-ce que tu les as vus en train de se parler ? Ou bien les as-tu vus aller et venir ensemble ? Hein ? Tu ne sais absolument rien. Où est-il ? Mais il était juste là. Il me le paiera. Vous avez toutes les deux raisons. Après les fiançailles, Tanvi restera avec Pawan. Après cela, peu importe les efforts de Rishi, Tanu ne fera plus attention à lui. Oui. C'est ce qu'il y a de plus génial avec les filles de village. Une fois qu'elles sont mariées à quelqu'un, alors, ils vivent ensemble. Ils sont obligés de vivre ensemble toute leur vie. Elles s'occupent de la cuisine et de la maison. Oui, oui. Dire que toi aussi, tu es coincée avec une seule personne. On peut t'entendre. Maman, tu as fait une très bonne chose. Tu nous as emmenés ici à Mumbai. Qu'est-ce que je ferai d'un seul homme après le mariage ? Eh bien, j'en aurai un. Tous les jours. Parle doucement. Eh bien, quand Anu sera fiancé, tous nos rêves vont enfin se réaliser. Est-ce que c'est pas génial ? C'est une chose inévitable. Rishi peut essayer tant qu'il veut, mais il ne peut pas arrêter ses fiançailles. Une fois les fiançailles terminées, nous serons débarrassés de tous nos obstacles. Après les fiançailles, Rishi peut essayer n'importe quel plan. Mais aucun de ses plans ne va fonctionner, n'est-ce pas ? C'est vrai. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Nous aurons le plaisir de voir un nouveau couple se former en cette belle soirée. Monsieur Pawan et Tanvi. Allez, applaudis toi aussi. Tape dans les mains comme moi. Pas clapper. Taper. Rano. Arrête de dire des mots que tu ne connais pas. Arrête. Un jour, tu pourrais insulter quelqu'un en disant n'importe quoi. Attends un peu. Tu te moques de moi, là ? Non ! Tu sais bien que je n'aime pas ça, hein ? Moi aussi ! Hein ? Allez, commence à applaudir. D'accord. Ça n'a pas d'importance. D'accord. J'applaudis. Merci beaucoup. Vous les avez bénis du fond du cœur. Mais maintenant, ce couple va vraiment se rapprocher l'un de l'autre. Alors tout le monde, veuillez accueillir le magnifique couple et leur danse de couple. Tanvi, viens s'il te plaît. Tanvi, vas-y, il t'appelle si gentiment. Allez, viens.
Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne me sens pas très bien. Je reviens tout de suite. Attends, pourquoi est-ce que je pars ? C'est pas Wan qui devrait partir d'ici. D'abord, je vais lui casser la main. Comment a-t-il pu poser la main sur ma Tanvi ? Ouais, Rishi, où est-ce que tu vas ? Je vais aller me battre avec Pawan. Est-ce que t'as perdu la tête ? Qu'est-ce que tu racontes ? Même si tu vas le frapper, ça ne mettra pas fin au fiançailles. Qu'est-ce que je dois faire, alors ? Tu peux me le dire. Tanvi va se fiancer aujourd'hui, et si elle décide de se marier, alors elle ne me parlera pas pendant toute sa vie. Alors, je pourrais en mourir. J'ai sacrifié ma voiture de sport pour être avec elle. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Je... Rishi ? Oui, il y a un moyen. Il n'y a qu'un moyen d'arrêter tout ça. Maman ! Maman m'aime énormément. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai demandé, elle me l'a toujours donné. Pense une minute, si je dis à maman que j'aime Tanvi alors... Elle contestera la décision de Tante Bani. Elle ramènera Tanvi près de moi. Ah. Maman, je dois parler à maman. Ça ne sent pas bon tout ça. Excusez-moi, ma tante. Excusez-moi. Où est maman ? Laisse-la rester là où elle est censée être. Pourquoi essaies-tu de gâcher cette soirée ennuyeuse, mon garçon ? Tu ne sais pas où elle est ? Maman ! Rishi ! Grand-mère, pourquoi tu ne veux pas donner une chance à Rano ? À chaque fois que tu es malade, c'est Rano qui s'occupe de toi. Elle prend soin de toi. Alors s'il te plaît, grand-mère, sois un peu plus indulgent envers elle, d'accord ? Tais-toi un peu. Depuis que tu t'es marié, tu es devenu son serviteur. Je ne veux pas te parler. Grand-mère, je suis content d'être un serviteur si ma femme est heureuse. Oui, continue à l'être. Grand-mère, je n'en peux plus. Je suis piégé entre ma femme et ma grand-mère même après le mariage. Je ne devrais pas m'appeler Raj Singh Bedi, mais Raj Singh le serviteur. Raj Singh le serviteur. Ah, ma tante, vous avez vu ma mère ? Non, Rishi. D'accord. Mais où est maman ? Maman, où es-tu ? Quelle est la relation que tu entretiens avec mon fils ? Aujourd'hui, tu vas te fiancer avec Pawan. Et en même temps, tu continues à t'accrocher à mon fils. Un homme n'est pas suffisant pour toi. Tu en veux deux. Alors, est-ce que je me trompe ? Dis-moi. Dis-toi que je vois clair dans ton jeu. Je peux voir que tu es toujours en train de courir après mon fils. Je sais que tu le regardes constamment. Après t'avoir regardé, il me semble que mon fils est entré dans ton cœur et dans ta tête. À tout jamais, hein ? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends vraiment de mon fils ? Hein ? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas ? Réponds ! N'as-tu vraiment pas honte de toi ? N'as-tu pas honte de flirter avec le fiancé de ta sœur, enfin ? Hein ? Réponds ! Pourquoi est-ce que tu es après mon fils ? Qu'est-ce que tu ressens pour Rishi ? Qui te pousse à faire tout ça ? Allez, réponds-moi ! Parle ! Si Tano dit la vérité, que Rishi est dans son cœur depuis l'enfance, alors tout mon plan tombera à l'eau. Je ne pourrai pas le supporter. Bani, tu dois faire quelque chose. N'essaie même pas de me faire chanter en me montrant toutes ces larmes. J'ai déjà eu affaire à beaucoup de filles comme toi. Dès que vous voyez un homme riche, vous vous mettez à genoux devant eux. Ça suffira, Rano, assez ! Vous êtes la mère de Rishi, mais ça ne veut pas dire que ça vous donne le droit d'harceler cette orpheline. Nous restons en contact avec des membres de la famille qui habitent loin. Et pourtant, vous continuez à douter de cette pauvre fille. Comment pouvez-vous être aussi mesquine alors que vous venez d'une grande famille ? Vous devriez avoir honte, Madame Rano, vraiment. Bani, mon nom est Rano Singh Bedi. Je suis la mère de Rishi Singh Bedi. Les personnes de votre envergure... Alors je n'hésiterai pas une seule seconde à rompre le fiançailles. C'est compris ?
Vous osez quand même venir m'insulter de la sorte? Si vous osez encore prononcer un mot de plus, alors je romprai les fiançailles que j'ai faites avec votre famille, c'est compris? Si vous pouviez vraiment faire une telle chose, vous auriez brisé ces fiançailles il y a longtemps. Ce n'est pas vous qui aviez voulu faire ces fiançailles. Je sais bien que c'est grâce à votre mari. Vous ne pouvez pas briser cette alliance, même si vous le voulez. Alors ne pensez pas que vous pouvez me faire peur avec vos fausses menaces. Ça suffit. Ça suffit, Bunny. Vous en avez trop dit. Écoutez-moi. Vous venez juste de m'insulter devant cette fille. Si j'ai la moindre indication qu'elle sort avec mon fils Richie, alors vous verrez. Aujourd'hui, aux fiançailles, je le ferai savoir à tout le monde. Quel genre de personne vous êtes vraiment, Bunny? Je dirai à tout le monde à quoi ressemble votre vrai visage. D'abord les filles de cette famille piègent les garçons riches pour leur argent, puis elles les menacent. À ce moment-là... Oui, à ce moment-là, vous verrez. Plus personne ne voudra se marier dans votre famille. Et si vous êtes banni, alors moi, je suis Rano. C'est compris? Hein? Pourquoi est-ce que vous l'avez insultée pour moi, ma tante? Je me suis disputée avec Rano pour toi. J'ai mis le mariage de ma fille en danger, afin de sauver ta dignité. Écoute, ma fille, ne fais pas n'importe quoi pour que Rano ait des preuves qu'elle puisse utiliser contre toi et qu'elle essaie de prouver qu'il y a quelque chose entre toi et Richie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous êtes aveugle ou quoi? Faites attention. Excusez-moi. Allez, occupez-vous plutôt de ça. J'ai besoin de te parler. Je ne veux pas te parler. Maman, je dois te dire quelque chose d'important. Je te dis que je ne voulais pas parler avec toi. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Mais, maman... Tu es très triste. Je sais pourquoi. Ne sois pas triste, Tanvi. Aujourd'hui, tu ne te fiancerais pas avec qui que ce soit sans ta volonté. Aujourd'hui, je vais tout dire à ma mère. Attends-moi. Je vais tout arranger, Tanvi. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter ces fiançailles. Je me suis disputée avec Rano pour toi. J'ai mis le mariage de ma fille en danger, afin de sauver ta dignité. Écoute, ma fille, ne fais pas n'importe quoi pour que Rano ait des preuves qu'elle puisse utiliser contre toi et qu'elle essaie de prouver qu'il y a quelque chose entre toi et Richie. Vous venez juste de m'insulter devant cette fille. Si j'ai la moindre indication qu'elle est en train de sortir avec mon fils, alors vous verrez bien. Tanvi, je ne laisserai pas ces fiançailles avoir lieu. J'y mettrai fin quoi qu'il arrive. Maman! Maman, excusez-moi. Maman, écoute-moi. Maman! Maman, écoute-moi. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Richie est entré en courant derrière Tanvi. Et maintenant, il court après maman, mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Ça veut dire qu'il ne lui a pas parlé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Grand-mère Richie a décidé qu'il allait dire à sa mère qu'il a des sentiments pour Tanvi. Et seule sa mère peut arrêter ses fiançailles en parlant à sa famille. Quoi? Vraiment? Et pourquoi t'es en colère? C'est parce que... Pawan est le pire ennemi de Richie et de Tanvi en ce moment, n'est-ce pas? Et leur plus grand ennemi, c'est ma mère. Quoi? Oui. Maman, je dois te parler. Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler, Richie. D'accord. Maman!
Maman, c'est vraiment urgent, s'il te plaît. Écoute, je suis très en colère, là. Banni m'a vraiment tapé sur les nerfs. Je sais très bien que tout ça, c'est de la faute de tante Banni, maman. S'il te plaît, donne-moi une minute. Oui, plus tard. Je ne peux pas attendre. Ce soir, il y a les fiançailles. Je ne veux pas que ma Tanvi... Tanvi? Mais... depuis quand Tanvi est-elle à toi? Laisse-moi t'expliquer. Ouais. En fait, maman essayait de l'acheter en lui offrant une Mercedes, tu vois. Qu'est-ce que tu dis? Oui, maman m'a demandé. Elle m'a demandé que dès que je verrai Tanvi et Rishi ensemble, je dois lui dire. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit que Tanvi n'était pas aussi innocente qu'on le croit. Oui. Qu'on ne devrait pas lui faire trop confiance. Ça suffit. J'ai compris une partie de l'histoire. Tu dois arrêter Rishi au plus vite. Ouais. S'il va dire à sa mère qu'il aime vraiment, alors elle deviendra une vraie sorcière. D'accord, vas-y, allons-y. Allez, dépêche-toi. On y va. Non, toi, tu restes ici. Mais grand-mère. Assieds-toi. Allez, je dois te dire quelque chose. Quand Rano changera et deviendra une horrible sorcière, et qu'elle commencera ensuite à tout détruire... Putain, grand-mère, je dois... Tu dois écouter mon histoire. Si tu n'écoutes pas, la sorcière de Rano entrera en moi et je t'attaquerai en premier. Attends. Maman, ça peut être choquant pour toi, mais j'aime Tanvi énormément. Ah. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Dis-le encore une fois, dis-le encore une fois, hein? Oui, maman. Je suis amoureux de Tanvi. Serveur! S'il te plaît, Rishi, ne dis rien à maman. Le plus grand ennemi de ton amour, c'est maman. Pourquoi je ne peux pas lui dire? C'est ma mère, non? Rishi, je te promets que je te raconterai tout plus tard, mais maintenant, ne dis plus rien. Chut. Quoi? Qu'est-ce que tu me disais, là? Tu aimes énormément Tanvi, hein, c'est ça? Tu l'aimes, hein, n'est-ce pas? Allez, je veux en savoir plus. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Vite, parle-moi. Tu aimes Tanvi? Oui, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes vraiment? Je veux dire, j'aime la robe de Tanvi. Tanu ne porte jamais ce genre de robe. Je veux dire, Tanu ne porte jamais de belles robes. Ah, c'est donc ça. Il est écrit quoi sur mon visage? Que je suis une idiote? Non? Non, n'est-ce pas? Allez, dis-moi toute la vérité. Qu'est-ce que tu disais à propos de Tanvi? Je veux tout savoir, Rishi. Ouais, c'est ça. Tu es bête ou quoi? Dis-moi vite, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Maman... Pourquoi est-ce que tu regardes là-bas? Regarde-moi. Maman, tu n'es plus aussi jeune qu'avant maintenant, tu sais, n'est-ce pas, Rishi? Maman, ce n'est pas bon signe. Je veux dire, tes oreilles ne marchent plus, on dirait. Tu dis n'importe quoi. Tais-toi un peu. Maman, règle mon problème. Je veux être avec Tanvi. Non, je voulais dire, je veux la robe de Tanvi. Je veux dire, tu pourrais lui demander de bien vouloir donner sa robe pour que Tan nous la porte. Ah oui, vraiment. Donc, je suis venue d'Amérique pour mendier à une villageoise pour qu'elle me donne sa robe, c'est ça? Vous êtes tous les deux des bons à rien, tout comme votre idiot de père, imbécile. Mais maman... Je peux voir que tu n'arrêtes pas de courir après mon fils. Je sais que tu le regardes constamment. N'as-tu pas honte de toi, ma fille? N'as-tu pas honte de flirter avec le fiancé de ta propre sœur?